Du coup, ouais, c'est vrai que là, ça fait du bien de retrouver sa petite caméra avec sa petite qualité et tout. C'est un peu comme, tu sais, c'est un peu comme quand t'as été trop longtemps avec un truc et que tu te rendais plus compte de la qualité ou quoi et que tu le perds. Et tu te dis en fait c'était pas mal, tu vois. Et bah là c'est un peu la même chose. Enfin, je suis content d'avoir. Elle est pas mal cette caméra en vrai. Je pense vraiment que je vais faire une full review sur cette caméra là parce que pour moi c'est un peu the caméra pour commencer, tu vois. Et là on va aller shooter quelques pierres avec le lance-pierre, tu vois. Bon bah bienvenue dans une nouvelle journée là. Et je t'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Genre j'ai pas filmé pendant un bail parce que bah, je sais pas, j'avais pas trop la tête à ça. Et ouais, je me demandais ce matin, tu sais, mais pourquoi tu filmes pas et tout. Et c'est vrai, je t'avoue, j'ai pas trop la tête à ça. Je sais pas comment te dire, mais en ce moment je suis vraiment, enfin j'essaie vraiment de comprendre un peu ce qui se passe à l'intérieur de mon crâne, tu vois, et de me comprendre moi-même. Et j'ai l'impression que ça me fait du bien, si tu veux, de vraiment faire des choses simples, en fait. Revenir à des choses simples et du coup, enfin, forcément, quand tu fais ça, t'as pas trop... C'est pas que tu peux pas partager dessus, mais j'ai besoin un peu de voir le bout du tunnel, tu vois, de voir la fin de l'histoire pour pouvoir partager dessus, parce que là, j'ai l'impression que je peux pas, j'ai pas, tu vois, j'ai pas d'idée à partager ou quoi, tellement je suis pris dans mon truc, enfin c'est étrange, tu vois. Bref, et ça empêche pas de te montrer un peu ce qui se passe, quoi, tu vois. Donc peut-être qu'on va mettre l'accent sur les vlogs un peu plus, tu vois, même si ce seront des vlogs un peu moisis, quoi, mais là tu vois, c'est le zoo le matin qui vient à peine de se réveiller, derrière t'as des chèvres et tout, et là on va se laisser faire un petit café, quoi. Allez. Bon, ça part pour une séance de sport. On a fini la journée là. Oh là là. On a fini la journée, ça part pour une séance de sport. Et je vais te montrer un peu ce que j'ai appris sur le trampo, tu vois. Je me suis pas mal amélioré. Ouais, je pensais à m'acheter, à regarder un peu les prix des trampolines parce que je suis vraiment tombé amoureux du trampo, quoi. C'est un super truc pour s'échauffer. Tu sais, avant, pour m'échauffer, pour mes entraînements, ça me saoulait vraiment d'aller courir, de faire de la course et tout. Et le trampoline, c'est juste énorme en fait. Mais je ressemble vraiment à un alien comme ça. Tu sais, ça commence vraiment à être long, hein. Mais ouais, le trampoline, c'est génial pour s'échauffer. Et puis tu peux faire des tricks et tout, c'est trop cool, quoi. Donc c'est parti, je vais te montrer un peu ce que j'ai appris. Alors ça, c'est la version finale du cheat gainer, le truc que je galérais vraiment à faire et qui maintenant est vraiment vraiment bien sur trampoline, mais que j'arrive toujours pas à faire sur le sol. Encore une fois. Maintenant, un truc que j'ai appris hier en 5 minutes, ça s'appelle le side flip, tu sais, en gros c'est un flip sur le côté, quoi. Moi c'est sur le côté gauche, je crois. Et en fait c'est assez facile quand tu sais faire le back flip, quoi, ça vient tout seul. Bon là j'ai encore quelques petites minutes avant qu'on aille manger, je pense, et je vais en profiter pour te faire la démonstration du didgeridoo et du circular breathing. Alors tu as peut-être remarqué que, enfin là il y a du vent, ça doit sans doute s'entendre dans la caméra, ça doit être dégueu d'ailleurs, mais c'est parce que tu sais, quand on l'a retrouvée en fait, elle a perdu sa petite fourrure en haut et ça permettait vraiment de contrer le vent, il y a pas mal de vent là. Bref, on va jouer du didgeridoo.
encore un nouveau jour du coup là. Bon, je t'avoue que le vlog ça va un peu ressembler à n'importe quoi parce que c'est plein de jours, plein de petites parties de chaque jour. Mais là du coup on commence la journée, tu vois, on va chercher le pain pour les animaux. Et c'est parti. Salut Cusco. Bah, où tu vas? Lui, t'as vu, on lui a fait une coupe un peu en mode viking, comme moi j'avais. Lui, il a pas encore été tondu. Ah si, sur le corps, là. Et lui, il a pris, bah, il a pris cher, quoi. Plutôt cool, hein. Bon. Tu vois, il y a un truc qui est vraiment marrant avec les animaux, c'est que il y en a vraiment qui sont sociaux, tu vois. Genre ils deviennent tes potes, ils s'habituent à toi et ils aiment tes câlins. Genre les chèvres, ça prend très très peu de temps pour qu'elles commencent à bien t'aimer et à te faire des câlins. Et à l'inverse, les moutons par exemple, quand ils sont agneaux encore, ils kiffent, enfin ça va, tu vois, ils se laissent toucher, mais plus ils grandissent, plus ils deviennent peureux en fait. Et c'est super marrant, mais en tout cas, ils ont vraiment tous une personnalité, tu vois, distincte, et ça, c'est vraiment magique. Alors, tu vois, moi, il y a des animaux que je suis pas censé nourrir, là. Genre, elle, enfin, ces deux-là, mais celle-là, elle aime pas trop le pain, tu vois. Mais elle, je suis pas censé la nourrir. Je suis censé tracer directement ma route pour aller voir le cochon, là-bas. Mais elle est tellement gentille, et les bambis, en fait, c'est tellement gentil. Tu sais que c'est tellement affectueux, genre ça aime les caresses et tout. Enfin bon là, elle veut du pain, tu vois, mais vraiment, genre apparemment tu peux même t'allonger sur l'herbe avec elle qu'elle dira rien, tu vois. Et à chaque fois, elle est tellement mignonne, elle sautille comme ça et tout, et je lui donne toujours un peu de pain, tu vois. Et pareil, là-bas, il y a des lamas qui réclament et je suis pas censé leur donner, mais je leur donne, quoi. La faiblesse, hein, ma belle. Et toi, t'es très timide, toi. Hein? Puis alors, des fois, tu vois, tu te trimbales comme ça, tu te balades dans le zoo et tu regardes un peu partout et hop, tu trouves une surprise, tu vois, genre hop là, salut. Je pense qu'elle couve des œufs. Ça fait longtemps qu'elle est là. Ouais, tu vois, il y a un œuf juste là.